Et salut les coaster fans, aujourd'hui on est à Fantasyland pour la troisième partie du trip de Jérôme Orland. Écoutez-moi bien. Pour l'instant, rien qu'on est arrivé. On est arrivé hier soir à l'hôtel, j'ai fait waouh, je vous mets les images en même temps que je parle, mais j'ai fait un gros waouh. Même l'hôtel y est thématisé de A à Z, une vue magnifique sur Black Mamba. Vraiment, ça commence royal. Même en fin de soirée, on est parti, le bar ferme à 1h du matin. Ils viennent nous voir les gars. Oh, nous on ferme le bar, est-ce que vous voulez un dernier verre? Oui, non, merci. Après, vous pouvez quand même rester, prenez votre temps. Les gars, adorables, putain, génial. Donc, ça commence super bien. Là, directement, dès le matin, il y a un soleil de plomb, incroyable, qui m'éblouit. Mais surtout, il y a deux teams qui se séparent. Il y a la team EDB qui va aller rider et faire 1 heure d'attente sur le Taron. Je pars sur la team de Jérôme pour aller tâtonner dès le matin une bonne River Quest des familles qui va bien nous rincer l'air. Voilà. Allez, c'est parti, le programme commence, let's go! Regardez cette joyeuse bande de glands verts. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux. Voilà. Moi, j'ai mis le gland, mais sur le sac à dos. Voilà. Il y a des gens qui me demandent faire. Parce que j'ai pas une tête à chapeau. Bref, River Quest, c'est la bouée du parc. Et c'est une bouée qui est un peu particulière. Déjà, elle mouille. Et vous savez quoi les amis, j'ai pas pris mon poncho et je m'aperçois que j'ai une coupe de cheveux ultra design ce matin les gars. Bref, c'est une bouée qui mouille énormément, donc je vais me protéger comme je peux avec ce que j'appelle mes gentiment et affectueusement mes capotes à sac à dos. C'est-à-dire que ce sont des petites sacoches que je mets sur mon sac à dos pour le protéger de l'eau forcément et protéger le matos. Et donc j'ai l'avantage d'en avoir deux. Bah, donc il y en a une qui va venir sur mes genoux pour essayer d'amortir un peu la casse. C'est beau. C'est très malin. Vous allez pas rigoler dans 5 minutes. C'est très important. Oh oui. Non mais il est équipé, il avait. Hey, l'autre jour il pleuvait, il avait son poncho, il avait tout. Il est équipé Pierre. Quelques techniques. Bah, mais celle-là, elle est... Oui, par contre, je n'ai pas de casse. Ah, même depuis le début du trip. Ah oui. Ouais. Et oui, nous sommes heureux car l'attraction tourne. Parce que c'est une attraction légèrement capricieuse qui a tendance à tomber en panne assez régulièrement. Voilà. C'est un parc qui est très petit, très étriqué, qui est un peu, conçu, pas à la verticale mais presque. C'est-à-dire que tout se chevauche, s'entremêle et ils arrivent à faire des choses mais exceptionnelles en termes de thématiques. Et c'est vraiment un parc qui pense à tout. C'est vraiment, ils ont le souci du détail et ça c'est ultra plaisant. Les hostilités commencent et on va se faire trancher la tronche. Voilà. Donc l'ambiance, ça commence comme ça la journée. Qui découvre là? Ça va tellement mal se passer. Oh, c'est beau! On va rigoler dans même pas. 20 secondes. Dans 20 secondes, ça va être. C'est beau! C'est beau! C'est beau. Oh! Adios, meus amigos! Voilà. Oh la vache! Ça c'est fait! Allez! Oh là là! On n'insulte pas la bouée. C'est interdit. Au modo, ils nous font la même qu'à Toverland. Ils vont faire une bouée de gros. Oh là là. Oh là 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 là. Donc voilà, donc cette petite River Quest qui rafraîchit de vos matins. Ouais. Ça rifle ou pas? Ouais. Ça va, ça
va. Sachez quand même que si vous faites cette bouée, d'accord, et que vous n'aimez pas être mouillé, c'est foutu. Tout le monde prend cher dans cette bouée, c'est absolument pas aléatoire. Alors, on prend plus ou moins, mais tout le monde prend, clairement. Vous avez vu ce geyser là qui sort là, c'est juste n'importe quoi. Ah, alors je vous explique aussi tout de suite, ça c'est une petite zone que j'aime énormément. C'est la zone où il y a les flamencos. Là, vous avez des flamencos, elles sont fraîches, elles sont faites sur place. Vous avez le petit stand de bière là-bas, le stand de crêpes ici, c'est incroyable. Et vous avez le taron qui passe là. Quelle merveille! Oh là là, ce départ, toi c'est la première, toi. Je viens de voir ta réaction, on l'a entendu, vous avez entendu. Hein. Voilà. Attends de le voir. Ça fait toujours quelque chose. J'ai beau être habitué à ce parc. Je sais plus, je dois être à ma quatrième ou cinquième visite là. C'est tellement bien conçu. Que à chaque fois j'ai les yeux qui brillent, je cherche les trains qui passent dans tous les sens, ce bruit de démarrage qui est complètement fou, je suis totalement là. Et là on est en train de remonter quand même une sacrée file d'attente. Je vous cache pas que ça fait flipper. Ok, breaking news, nous venons d'apprendre à l'instant que la bouée de gros a mis en panne l'attraction Hyper West. Sans transition, nous sommes à Taron. Ok, bah ça y est, on a fait la file à Taron et on va rentrer dedans. Mais sachez une chose, il y a 4 personnes dans ce groupe qui ne l'ont jamais vu. Que c'est incroyable! Oh là 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 là! Écoutez, on sort du taron et là du coup, toi tu l'as fait au premier rang, c'est au premier ride, au premier rang. Bien sûr, c'est pas prêt. Franchement, je te jure, je suis trop longtemps. Ça fait des années que je rêve de venir ici et là c'est. Pas déçu. Elle t'en prend plein la gueule. Génial, c'est trop. C'est génial. Tu te prends des. Tu te fais éjecter mais sans arrêt. Dès que ça inverse, tu t'as l'impression que je suis trop. Bon bah voilà, réaction à chaud de quelqu'un qui l'a jamais fait. Quand on vous dit que Taron c'est juste une super machine, mais c'est juste une super machine. Après, quand on parle de classement, forcément, elle monte, elle descend, les avis de chacun ça diverge. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on prend plaisir à être là-dedans, moi je vous le dis. Je suis en plein débrief et donc je discute avec Guillaume. Et là, j'allais lui dire justement pourquoi c'est mon parc préféré. Parce que c'est un des parcs où je peux rester même à côté de l'attraction. Je m'en fous, on entend tous les longs chants d'arrêt. En fait, je peux flâner dans ce parc. C'est un des rares parcs où je peux flâner, voilà. Donc, si on flâne, c'est qu'on s'y sent bien. Suite du programme établi, écoutez, on va se faire des petits ninjas. Cette zone est super jolie, moi je l'aime beaucoup. Avec des fontaines, regarde-moi ça, c'est trop beau. Il y a des bons airtime sur celui de la peur et tout. Non, vraiment,
C'est cool, c'est très cool. Là, je ne sais même pas sur quoi on va. Je suis bouclé. Aujourd'hui, j'ai posé mon cerveau, je fais mon suiveur un peu. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on suit Pierre, qui est alias FaceDrop, voilà. qui est assez sympa, très sympa, vraiment très sympa. Le pigeon, le pigeon, le pigeon, le pigeon. Ah, on va faire... non. On va faire Crazy Boat. Oh la vache. Bon, attention, je vous décris l'attraction. Voilà, c'est fini. 25 minutes pour Crazy Boat, vraiment? Ouais. Ça va que je l'ai fait qu'une fois et que je peux me permettre de le faire une deuxième quand même. Hein. Parce que ça fait très longtemps et j'avoue, j'ai oublié. Voilà. Ouais. Non, tout ce que je me souviens, c'est que c'est dans le noir total. On a refait le Crazy Boat. Ah, le temps d'attente et le débit de cette attraction est juste interminable. Dû au fait qu'on a les casques verts à installer et que c'est un peu une usine à gaz, tous les systèmes VR, tout ça. En revanche, si vous faites l'expérience VR, parce que du coup je l'ai faite, je vais rajouter un demi-point pour ça, parce que ça apporte vraiment un petit truc fun qui se passe. Pas thématique, pour moi une théma, ça doit se faire les yeux ouverts. Ça se fait pas avec un casque VR. Et donc là nous sommes gentiment en direction de Fly. C'est là que nous allons te filmer. Et oui, parce que le délire, je vous explique un peu, c'est qu'il y a 4 personnes dans le groupe là qui ne connaissent pas Fantasia Land. Et on a tous très envie de voir leur réaction quand ils vont arriver dans la zone. Oh, oui. Et on veut tous filmer ça. On a demandé l'autorisation, ils nous ont dit oui, vous pouvez nous filmer. Voilà. On veut voir leur visage se décomposer. Aïe, 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 aïe. Mettez-vous ensemble là, ceux qui sont pas prêts là. Welcome. Guillaume il en peut plus, Guillaume il en peut plus. Cet endroit est magique, c'est magnifique, magique, magnifique, voilà j'ai le mot, c'est magnifique. C'est incroyable. T'as l'effet visuel en plus, c'est hyper important pour une première expérience. Ça va aller, ça va aller. Voilà les amis, on sort de Fly et franchement, bah... Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait l'attente pour le premier rang. Donc là, on est en groupe et pour l'expérience, voilà, c'était leur première, on s'est dit on fait le premier rang. Et ça marche, j'avais oublié à quel point, mais le premier rang, mais oh là 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 là, mais que c'est merveilleux. Ah, c'est... Il y a tout le visuel qui va avec, c'est... Ah. C'est... Honnêtement, j'ai du mal même à vous décrire le niveau de satisfaction que j'ai à être là, les pieds dans cette zone. C'est une zone de cœur quoi, ça me prend là. J'adore ce roller coaster, j'adore cette zone, j'adore ce parc. Les first timers là. Incroyable, vraiment la sensation de voler, c'est incroyable. Je me suis amusé à tendre les bras comme ça, t'as personne devant toi, t'as vraiment le rail devant toi, c'est incroyable. J'ai adoré. Chercher les gars parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui voulait le faire dedans. Bon, on vient de récupérer un passe-passe pour Taron et au passage on en profite pour tous faire un Taron. Voilà. Lindsay, alors je vous donne l'anecdote de Lindsay. Lindsay qui est là-bas, perché sur le. Voilà, avec son sac à dos, qui s'en va, qui s'enfuit. Cette personne est venue dans un trip avec que des coaster fans. Mais elle ne fait pas de roller coaster. Donc elle est venue dans un trip où il y a des attractions, mais elle fait pas les attractions. Non mais non, mais c'est pas grave, on t'en veut pas, elle est gentille. Mais par contre, on s'est tous rejoints pour enchaîner du Taron, donc là il y a un peu d'ambiance. Et alors ce matin on l'a fait au first, ce stade cet après-midi. Bien chaud, bien bien chaud, on se le fait en last. Voilà, deuxième tour, on va se régaler.
je fais toujours des petites pauses pour vous faire des plans toujours de plus en plus gros, eh bien écoutez, tout le groupe se dirige vers Chiapas. Après ce Taron Maspich, et c'est très bien. Vraiment. On va essayer de vous faire des beaux plans de Chiapas aussi, parce que vraiment c'est une belle attraction. Elle est extrêmement bien thémée. Ouais, ça fait typiquement partie du genre d'attraction où, bah, même s'il n'y a pas de sensation, la thématique, je m'éclate là-dedans. Mais je m'amuse, mais vous n'avez même pas idée. Et cette musique, qui est bien évidemment accélérée dans la zone ambiante. Je vous fais un cadrage mais tellement douteux les gars. Mais il y a une ambiance dans cette attraction, il y a une ambiance incroyable. Oh la vache! Clairement, ça fait 3 jours qu'on fait le séjour, je n'ai plus de voix. C'est le meilleur flume de tout l'univers. Oui, c'est confirmé devant. Sans les mains. Oh, l'airtime, mais oui. Et la plate. Mais non. Mais non. Comment vous dire? Comment vous dire que j'aime toujours autant la thématique de cette attraction qui est juste phénoménale. Voilà, cette fameuse disco zone et tout, vraiment c'est oufissime. Et donc maintenant nous allons faire en groupe un Colorado Adventure. Qui est ni plus ni moins que le tram de la mine du parc. Qui a la particularité d'être relativement long de mémoire, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et là, il y a 15 minutes d'attente, on y va en groupe, on fait grimper le truc à 30 et c'est bien. Ambiance de folie sur Colorado Aventure, on a laissé passer tous les Hollandais qui s'étaient incrustés dans notre film, histoire d'être vraiment tous collés. Il y en a deux dans la montre. Aïe aïe aïe. Tout le monde est là? Attends, bouge pas. La 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 la. Thank you.
se finir le BTM Sutrach. C'est exactement ça, c'est Big Thunder Mountain avec moins de théma et craqué à mort au niveau des sensations. C'est juste n'importe quoi. Le passage dans le noir. Il va trop vite. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Il va trop vite, c'est abusif, ils sont malades. Ça faisait très longtemps, mine de rien, que je ne l'avais pas fait. Et j'avais oublié un peu, je vais checker la note parce que je l'ai peut-être un peu sous-estimé. C'est trop... En fait, c'est trop rigolo. C'est une violence incroyable, mais c'est très drôle. Bon voilà, donc du coup on sort Black Mamba, on a fait un petit tour là, je crois que Jérôme et Sandy étaient fatigués et sont partis se reposer à l'hôtel là. Il reste 2 heures avant la fermeture du parc. Moi du coup je suis parti dans un petit délire solo, je suis en train d'assurer tous mes petits plans, je vous fais tous les plans que j'ai envie de vous faire pour vous présenter les attractions, mais vraiment les attractions fabuleuses de ce parc, ça mérite vraiment de prendre le temps de les regarder passer, je vous le dis. Je vais sûrement, s'il n'y a pas trop d'attente, allez tenter le coup du Mystery Castle. Ah bah finalement ça va être la pause bière les amis. Parce que je vois que il y a du trip-up là. Team trip-up bière. Ouais, bon l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh là, c'est la team bière là. Oui. J'arrive. Ok, bon voilà, voilà. Et je me suis fait mon petit trip solo. Alors la Mystery Castle, je l'ai complètement zappé. Il y avait clairement trop d'attente. Plus d'une demi-heure et tout avec un débit nul à chier. Donc j'ai lâché l'affaire. Par contre, je viens de le faire. Donc le petit paron en plus passe, nickel. Et il me reste un plus passe. Donc on avait deux classiques et un plus. Le plus permet de faire le paron. Le pas plus, pas de paron. Ok, bah voilà, on sort de Chiapas. Rincé comme pas possible. C'est ça le trip-up. Je vous dis, c'est magique. C'est trop fun. Parce que en vrai, on est... Alors, ça paraît peu, et en même temps, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est 95. Je vous laisse imaginer, 95 dans un parc qui est aujourd'hui, on va se l'admettre, qui est pas trop full, ça va. Dès que vous voyez un chapeau, une casquette verte comme ceci, hein, sur la tête de quelqu'un, vous le trouvez comme, hey, comme les Pokémon. Ça pop un gland vert, vous voyez un gland vert, vous savez qu'il y a un groupe, vous savez que vous pouvez les rejoindre. Il n'y a aucun problème. Tout le monde s'incruste avec tout le monde, c'est le jeu des chaises musicales depuis 3 jours. Et ça, je vous le dis franchement, c'est merveilleux. Le programme qui suit va être le suivant. Je vais aller à Fly. Et ensuite, 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 je vais aller à Fly. Les images normalement elles doivent parler d'elles-mêmes, je vous assure. Même si c'est pas tout à fait la même chose, parce que on va pas se mentir, une image à plat, il vous manque la dimension, il vous manque entre guillemets la 3D. C'est de la folie. Vous touchez le moindre décor quand il y a un train qui arrive. Sentez les vibrations du coaster. Hein. Sentez là.
les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ou pas. Parce qu'à mon avis, il y aura une vraie ambiance. Dans l'hôtel m'attend pas le buffet. Écoutez, je suis ravi, c'est la fin de ce séjour, ces 3 jours de trip-up. Incroyable, Jérôme, merci, merci. Je suis au bout de ma vie. Tu m'as rincé. Je suis fumé. Tu m'as fumé par ton humour, tu m'as fumé par des actes. Il n'y a rien qui va dans cet hôtel, il est ultra thématisé, c'est trop... On a rempli le restaurant. Wow. Moi-même est très heureuse. Ça, c'est même le feu. Si bon. C'est le feu. C'est le feu. Vous avez froid, vraiment. Non, j'ai trop bien là. Ah là là, c'est incroyable. Ah oui. Regardez-moi cette ambiance. Ah oui. Celui qui aura fait le plus de photos gagne. Alors, il sera élu le meilleur. Il y a la pagode, non mais la pagode, regarde-moi ça. Oh là là. Il y a le bruit de l'eau, tout. C'est de la folie, c'est de la folie. Cet hôtel est tout simplement incroyable. Ah Jérôme, ma chérie. Quelle attraction et la voiture que tu as trouvé la plus nulle aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pas le truc avec le casque VR. Non, pendant les 3 jours. Ouais. Nous allons avoir en avant-première, après l'Ave Maria. Après l'Ave Maria. Vous bout ta gueule. Oh, et donc tu parles là. Le chef parle. Alors, nous allons tous chanter Ave Maria très haut. Juste Ave Maria. On arrête. Et il y a une cérémonie de Père First Drop qui enterre Crazy Bat. Mes frères, mes sœurs, bien bonsoir. Nous sommes réunis. Tu n'as pas le droit de... Aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de... Pour enterrer. Il était un des plus longs vécomas du monde de son temps. De son ancien nom. The Night of the King... Je sais plus. Non, non, tu peux pas lâcher. Tu peux pas lâcher. The Temple of the Night of... Il a été... transformé. Avec des casques VR et Crazy Bad. Inutile et futile soit-il. Il est grand temps qu'il nous quitte. Malgré cette longue distance, cela reste une décapotable à pleine vitesse, carreau ouvert. Mes frères, mes sœurs, 3 lifts, on se fait chier. Il est grand temps de l'enterrer. Bravo. Etienne est en roue libre. Voilà les amis. T'arriveras jamais à la faire ton outro. Voilà, ça vous donne clairement une idée de l'ambiance qu'il y a. Écoute, j'ai passé un séjour incroyable. Incroyable, hein. Incroyable. Qu'on se revoie, hein. Bien sûr qu'on va se revoir. Oui. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va casser la prochaine fois? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas, mais non, mais c'est... Non, vraiment, c'était un séjour de folie. Clairement. Tu parles du pole dance? Aïe, 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 on parle pas de privé, pas dans la caméra. Mais c'est marrant, mais c'est marrant. Non, mais franchement. Faut laisser ces délires là. C'est un séjour de fou, Jérôme. Ça nous a coûté 800 balles. Et alors? Merci.
Ouais. Tu veux pas tenir la caméra comme il faut? Non, mais oui. Parce que là, c'est compliqué de ça parce que t'as l'air voilà, complètement crevé. Merci, merci, merci. Putain, oh, mais sérieux, mais ce mec, c'est n'importe quoi. Vidéaste en carton, quoi. Non, mais sérieux. En plus, pour de la GoPro, c'est de la merde. Je suis fatigué. Toute la nuit. Ça fait bip bip. Quand tu veux, je remets ça, sans problème. Alors, toi, par contre, tu fais un travelling vénère. Hein, quoi. C'est vraiment au niveau. Ah, non, fais voir. J'espère que tu mettras ça dans ta vie. Fais voir comme ça là Jérôme. Oh, fais voir tes caries. Fais voir tes caries. Non, je déteste mes dents. Moi, c'est tout trop, mais lunaire quoi. Non, mais vraiment, c'est exceptionnel. Est-ce que vraiment, on peut dire que pendant ces 4 jours qu'on a passé ensemble, on était un petit peu sur une autre planète? On était sur une autre planète. Ah oui. Je confirme. En vrai, hein. En vrai. En vrai. C'était incroyable. J'encourage tout le monde à participer au Kitop, au Tripop, parce que c'est vraiment une communauté qui se crée en direct devant tes yeux. C'est ça. Vraiment. C'est, tu viens seul, tu repars avec des amis. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Et tu viens, et en plus, tu vas prendre un sacré kiff. Ouais. Non, c'est bourré d'adrénaline. C'est bourré d'adrénaline et c'est ultra humain. C'est... Mais moi, en tout cas, j'ai pris un kiff total. Sauf que la différence avec le kit-up, c'est que tu vois, là, on était 95. Ouais. Plus nombreux. On était deux fois plus. On était deux fois plus. Donc, oula. Vu que tout le monde kiffe, moi, je suis refait. Et j'en ai rien à foutre. Je me dis que c'est un super beau projet. Parce que humainement parlant, c'est vraiment très très cool. C'est génial. Hein, franchement, j'ai kiffé. Non mais vas-y, je suis en fait, tu parleras toujours du trip-up à partir de maintenant quand tu vas oui. pas. Oui. Et t'as marqué les trois parcs. Oui, on a. Le trip-up m'a marqué sur les trois parcs. Sur beaucoup de choses. Je retourne à Eltonning, je pense au trip-up. Oui, c'est obligé. Overland pareil, et même Fanta. C'est obligé. À la ville, la Villa Volta. La Villa Volta. Personne ne fait la Via Volta comme on l'a fait nous. Personne. Écoute-moi bien, je te le dis. Si je retourne un jour avec même 2-3 potes, d'accord, à Eftelin, je vais dans la Villa Volta et je fais ça tout seul. J'en ai rien à foutre. C'est très fort. On veut la vidéo. Et je fais une story incroyable. Oui, oui, oui. Voilà, ça, voilà. C'est canon. Tu rentres dans le truc, tu es stoïque, je suis stoïque. Et je le jure, je me le fais. Et si t'es avec une bande de potes, surtout très important, tu te mets. Je les préviens. Non, pas. Tu les préviens. Ah, pas. Je leur fais à eux. Oui. C'est encore mieux, t'as raison. Et tu es en face d'eux. Oui, je me mets à l'opposé. Comme ça. C'est exceptionnel. Phoenix, c'était très fort. Le premier tour de Phoenix de Sandy, c'était. Moi, j'ai adoré perso la zone splash aussi avec Boubou et toi. Le. Ouais. Ça va beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est des bonbons. Et puis sur. Je sais pas si. Oh là! Oh là! Waouh! Tu viens m'aider? Alors, tu veux faire ton but ou pas? Il faut savoir que Pierre, c'est la première fois qu'il vient tripper. Incroyable. En vrai, Pierre, est-ce que j'ai vraiment besoin de te demander? Tu viens au prochain? Très mauvaise idée. Oui. Je suis sûr, c'est juste oui. Oui. Et parce qu'il a pris un kiff aussi. C'est vachement bien. Mais il est tellement con qu'il a même pas la prise, ce belge. Il a pas de Il est dans la chambre. Voilà. Oula. Il a pas fait son outro. Merci. Comment tu veux conclure tout ça? Moi je veux juste. Moi je veux très juste exceptionnel. Humainement une expérience. C'était vraiment humainement incroyable. C'était une expérience exceptionnelle. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao. I hope I can see you again. Le petit bonus, c'est la fin du trip. Il y a une petite charge émotionnelle, je suis dans le mal. En fait les gens me disent. Merci. Bravo. Je vais vous dire que 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 je v
dans sa base de On est deux caméras. C'est pas ça, Aïe, 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 aï